Aujourd'hui, est-ce que la chanson c'est derrière toi? Alors je crois que tu vas préparer certainement un nouvel album. Non, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait un break parce que tu es chanteur comme moi et quand on est passionné par quelque chose, on ne peut pas. Voilà. J'étais malheureux de décider à l'époque d'arrêter. Parce que quand tu es. Moi j'ai tout fait pour la musique. Ouais. Moi j'ai abandonné ma vie à l'époque pour venir avec ma petite valise à Paris pour faire de la musique. Ouais. Et donc. Mais quand échec. Tu deviens un adulte, non, c'est pas un échec. C'est quand tu deviens adulte, que tu as une femme et t'as un enfant, tu revois tes priorités. T'as des priorités. Mais finalement, aujourd'hui, après 10 ans, aujourd'hui, j'ai plus besoin de la musique pour vivre. Donc aujourd'hui, je me retrouve pas dans une galère, moi, aujourd'hui. Je suis en train de préparer un album et je le fais en toute sérénité, détente. Sans stress, sans angoisse de la maison de disque qui te dit ouais, mais je veux que tu chantes ça. Non. Sans attente particulière. Je me fais plaisir et c'est un bel album qu'on est en train de faire, vraiment, avec une équipe super à Lyon et à Paris. Et qui sera prêt pour la fin de l'année. Et t'en espères quoi de cet album? L'album va sortir. Après, mais tu en espères quoi? J'en espère d'abord de prendre du plaisir, refaire un peu de scène, voilà, ça me manque beaucoup. Si ça marche, je serai très très heureux. Bon, je te rassure, même les chanteurs qui sortent des disques actuellement ne font pas de scène. Ouais. Tu ne manques rien. En tout cas, tu viendras nous en parler avec plaisir. Même si ça ne marche pas, je veux dire, je ne serai pas le plus malheureux du monde. Ouais, tu es content quand ta chanson elle passe à la radio et que tu es content. Voilà. Mais voilà, là je le fais surtout. Ma petite fille qui a 10 ans aujourd'hui me la demande depuis quelques années parce qu'elle ne m'a pas connu en tant que chanteur. Ah. Et c'est un peu pour elle que je le fais. Voilà. Est-ce que la notoriété te manque? Non. Non, parce que non. La popularité, je l'ai eue. C'est ce qui est important. C'est pas la notoriété, c'est la popularité. C'est-à-dire que grâce à la popularité, des portes sont ouvertes. Okay. Voilà. Et si j'avais été un gros connard à la télé, les portes ne se seraient pas ouvertes parce que j'aurais une image de gros connard. Voilà. Et si, tu peux pas mentir à la télé. Tu peux mentir une semaine. Tu peux pas mentir 3 mois à la caméra. C'est pas possible.